Non, je les connais. Je les connais. Spirou, ça va? Ah, merci, hein, bravo, tu nous as bien laissé tomber, hein. Mais non, mais moi je pensais que vous étiez. Pas que vous étiez. Oui, tu pensais surtout à ton scoop. Un nouveau scoop pour Scoopotine. Voilà. C'est votre fiancée, ce dingue? Tellement pas. Ah, dis donc, je t'ai entendu, hein. Un paro club de sport, il t'emmènera pas bien loin, ton gars. Si c'est la gonflette que t'aimes, je peux le faire aussi, hein. Ta gueule. Alors, mon gars, il s'appelle Teddy et il est guide. Il va nous aider. Parce que si je compte sur toi pour retrouver Champignac, je suis pas très bien barré. Ah, à la bâtard, hein. Oula. Attendez, j'ai pas mis ma ceinture. J'ai pas mis ma ceinture. On passe devant, ok? Vous nous sonnez? Jamais! Je n'avais même pas où on va. On n'a pas besoin d'être une flèche. Attention, doucement. T'as peur pour ton scoop, scoopotine? Ridicule. Vous avez vu? Il nous tire dessus, là. C'est pas une course, hein. Bah, un peu quand même. Attendez-nous, on arrive avec ses côtes. Bonjour. Ah, là, vous avez entendu là? Non, un petit couinement. Exactement, un petit couinement. Qui vient de là. Moustache. Oui. Un petit couinement. Là, hein? Oh! Mais c'est plein de microbes, les bestioles, non? Oui, je me tue à lui dire. À qui? À l'hôtel, à l'hôtel, oui. Je me tue à le dire à l'hôtel. Et à vous aussi, hein, jeune homme. Parce que là, au bout d'un moment, moi, je vais faire virer quelqu'un du personnel avec ces écureuils qui surgissent. Tenez-moi ça. Faites quelque chose. Attention, faites quelque chose. Bien. Bonne journée, monsieur. Il est où? Je l'avais mis là. Mais dis-moi, je suis allergique aux acariens. Vous êtes où? Voilà, devant vous. C'est pas flagrant. Non. Monsieur le comte, je ne me suis pas présenté, je suis Fantasio, grand reporter au journal Moustique. Enfin, presque. Enchanté, mon garçon. C'est quand même très bizarre de parler à quelqu'un qui est pas là, mais qui est là. Mais non. Ouais. Bon, alors, je n'ose pas, et en même temps, j'ose. Vu que je vous ai sorti des griffes de Zorglub... J'étais là. Je voulais vous demander une interview exclusive. Ah, oh, bah... Je pense que c'est le jour où je t'ai fait renvoyer de l'université. Non, non. C'était le bon temps, ça. Et je ne vous en remercierai jamais assez, vous savez. Si j'étais resté à vos côtés, je serais encore un petit assistant. Alors que maintenant... Tu ne peux toujours pas te passer de moi. Hein? Ben, vous devez mourir de faim. Oh, te fatigue pas. Non, non, je ne te donnerai jamais ma formule des champignons. Les orglondes. Non, 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 champignons. Non, c'est une marque déposée, j'y tiens beaucoup, hein. Ah, des champignons. Merci, Zorglub. À l'époque, je l'avais inventé pour réguler la prolifération de lapins sur mon domaine. Ça n'a rien à voir avec ça. Zétera ! Mais arrêtez, pas Zétera. Je vois que tu parles toujours à l'envers, à la moindre contrariété. Je te l'ai toujours dit, tu es beaucoup trop bouillant et émotif pour faire un vrai scientifique. Non ! Je suis pas bouillant ! Je suis pas bouillant, d'accord ? Je suis très émacalama. Ah bah, calme ça. Calme. Très calme. Très calme. Eh ben, je suis calme. Eh ben, ça s'entend, tu es calme. Hein ? Takum. Donnez-moi votre formule et je vous obtiendrai le titre du meilleur scientifique, du deuxième meilleur scientifique de la planète. Petite mouillette, moi j'adore ça. Je vais te dire, la science, ça sert à soulager l'humanité de ses fléaux. Et toi, tu es un fléau qui veut te soulager sur l'humanité. Mais donc c'est non. C'est non. Non. Non, non. Non, non, non. Je vous ai accueilli comme un ami. Je vous ai fait préparer vos petits plats préférés. Je vous l'ai demandé poliment. Allons. Tu vas la lâcher, ta formule. Tu vois, tu le dis toi-même. C'est la mienne. Moi, faites comme vous voulez, mais moi, je peux pas la laisser. Fantasio, on est deux, et eux, ils sont combien? Eh ben, beaucoup. Exactement, donc ça sert à rien de foncer dans le tas. Il nous faut...
faut un plan. Il nous faut le plan. Mais c'est ce que je viens de dire. Non. Si. Vous venez de dire, il nous faut un plan. Mm-hmm. C'est flou. Il nous faut le plan. Ah, d'accord. Bon, par rapport à cette situation... Sortez-les-moi de là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Évite, Bulgros! Ouais, oui, ça marche, ça marche! Évite, Espèce de cheveux! Hé! Vous voyez quelque chose?